Près de 500 enfants démunis et orphelins du 6e arrondissement Ngoyo ont bénéficié des jouets à l'occasion de la fête de la nativité. Jouets composés entre autres de ballons, poupées, batteries, voitures, ustensiles de cuisine. Un geste de l'administrateur maire du dit arrondissement, Jeuneste Wilfried Pakabantou, en partenariat avec Total Energy, SCAB, Briton, Bocom, HPCI et Renko. Dans trois différents sites, à savoir le siège de la mairie de Ngoyo, la salle du Moise et le site touristique Malanda Lodge. La joie des enfants était à son comble. Tous les enfants et moi ici présents vous exprime notre profonde gratitude pour cet élan d'amour. À monsieur l'administrateur maire et à toutes les sociétés partenaires qui ont contribué pour que cette fête soit belle. Je dis merci à monsieur le maire de m'avoir donné ce jouet et à Total Energy. Vraiment merci. Jeuneste Wilfried Pakabantou, administrateur maire du 6e arrondissement Ngoyo, donne le sens de cette activité. Le symbolisme que nous avons voulu donner à cette journée, c'est de partager notre amour et surtout notre solidarité aux familles vulnérables. Nous avons sélectionné dans notre arrondissement plus de 500 enfants issus des familles vulnérables et des orphelins que nous avons sélectionnés dans des églises, y compris dans certains orphelinats qui sont reconnus bien sûr par l'État. Pour sa part, Nzaou Eloge, DRH adjoint de la société SCAB, apprécie l'activité. En tant que partenaire, on ne pouvait pas être indifférent à la demande. Donc, il a fallu que nous fassions un geste dans le cadre du développement sociétal. Faire que cette activité, qui a pour objectif de produire, sinon de donner la gaieté, la joie auprès de nos enfants. A noter que c'est pour la deuxième fois que la mairie de Ngoyo, sous la férule de Jeuneste Pakabantou, organise une activité de ce genre pour le bien des enfants défavorisés.